Bienvenue les cafardinos dans cette actu. Aujourd'hui, on va débattre de plein de sujets avec beaucoup, je pense, de passion. Que ce soit positif ou négatif, il faut toujours, 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 toujours traiter les sujets avec passion et ça, c'est super important. Je vous annonce que les giveaways de souris, etc. sont emballés. J'ai pas, comme je suis une grosse merde, que je suis un gros feignant, j'ai pas tiré le deuxième giveaway de la souris Zigen. Mais promis, je vais le faire très bientôt et après, j'irai emballer le tout et déposer ça à la poste. Je vous annonce un nouveau giveaway et notamment 3 skins dont vous aurez le choix. Tout simplement, il va falloir être abonné à la chaîne YouTube et commenter le skin que vous préférez gagner. Entre une AK-47 Aquamarine, une Asimov et une Impératrice. À peu de choses près, elles valent la même chose, mais le but, c'est quand même de vous faire plaisir. Donc, n'hésitez surtout pas à participer. On rush les 100 000 abonnés. Dans cette actu, les frérots, on va parler de la nouvelle mise à jour de CSGO, qui pour moi est une petite révolution quand même, je trouve, dans l'état d'esprit. On va parler du championnat de France, des équipes internationales, de plein de choses. Je vous invite tous à participer donc au giveaway pour me faire plaisir et rusher les 100 000 comme je le disais. Et dans la description, vous avez le Discord. Si vous recherchez des coéquipiers, que vous êtes saoulé un petit peu de jouer solo ou que vous recherchez même des équipes, que vous voulez démarrer un petit peu des projets un petit peu plus sérieux, n'hésitez pas à vous servir du Discord pour faire ces recherches-là. On va commencer cette actu avec la DreamHack. Spring, très importante à moi, je pense, parce qu'il y a G2 dedans. Et c'est un peu ce que je voulais dire, c'est que je suis un peu saoulé. Voilà, je suis un peu saoulé de G2. Depuis qu'il n'y a plus Kenies, j'ai plus la passion pour suivre G2. Alors, autant il y a toujours Jax et Amanek dans le projet qui sont français et donc qui m'impliquent émotionnellement dans cette équipe. Autant, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment l'expliquer, mais j'ai peu de passion désormais pour G2 et j'ai du mal à les suivre. Donc j'ai suivi avec beaucoup de recul et c'était pas foufou. Voilà, c'était pas foufou le niveau affiché de l'ensemble, j'ai envie de dire, de la scène internationale. G2 a quand même réussi à se qualifier en playoff d'une belle manière pour le coup. Eux, ils produisent quand même du beau jeu, mais je trouve qu'ils battent des équipes affaiblies. J'ai pas envie non plus de leur lever leur victoire, mais je trouve qu'ils battent des équipes affaiblies. Le prochain match sera les quarts de finale pour G2 contre Astralis. Il faut savoir que c'est exactement le bon moment pour taper fort côté G2 parce que Astralis, justement, est en perte de vitesse avec un changement qu'on a tous vu. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur Device, allez la voir de pourquoi est-ce qu'il a changé justement d'organisation. Et on a Navi qui s'est qualifié donc eux aussi pour les playoffs. On va voir ce que ça va donner. Et en tout cas, je sais pas, j'aimerais avoir un peu vos avis sur G2. Moi, j'ai un petit peu perdu ce truc-là, les gars. Petit tournoi T2, T3, j'ai envie de dire, mais qui va nous intéresser, qui m'intéresse en tout cas et qui, j'espère, va vous intéresser, notamment avec 2 équipes françaises qui sont qualifiées pour ces Blast Rising, avec LDLC qui sont premiers de leur groupe. Voilà, on a quand même 6 groupes. Les groupes se jouent chaque semaine. Et donc le premier groupe, le groupe A, a déjà commencé ses matchs. LDLC sont premiers, ils ont joué 2 matchs et ils ont eu 2 victoires. Donc c'est une belle prestation pour l'instant de nos joueurs français qui brillent un petit peu à l'international et ça c'est super positif. Et le groupe qui va nous intéresser également, c'est le groupe E avec Double Poney et du très très lourd parce que leur groupe n'est pas facile. Leur groupe n'est pas facile, je tiens à le dire. Donc à voir, mais ils devraient quand même dominer ça parce qu'ils ont des joueurs de classe mondiale, notamment NBK, Body, Lucky qui ont fait partie de la scène T1 et normalement ils devraient quand même pas survoler ce tournoi là mais maîtriser, j'ai envie de dire, comme le fait LDLC. Donc grosse force à nos 2 équipes françaises et j'espère qu'elles vont faire briller la France dans ces championnats un petit peu internationaux, ça fait plaisir. Les champions de France, c'est LDLC, très belle performance qu'ils ont réalisée. C'est faux, c'est faux, c'est totalement faux, ils ont pas réalisé une belle performance. Je vais remettre un petit peu la tête sur les épaules à tout le monde, j'ai envie de dire. Ils n'avaient qu'un seul concurrent direct, soyons clairs, et ils ne les ont pas affrontés. Donc, pour le coup, je suis un peu sur ma faim, j'ai envie de dire. Mais c'est quand même un beau champion LDLC, même s'il domine tout simplement la scène nationale française parce que c'est la seule équipe professionnalisée. Alors, autant j'ai beaucoup de frérots dedans,
que ce soit Chaos, Maka, Haji, Lambert, Sixer, franchement c'est des gens que j'adore, même le staff, Ostriker, Krav et tout, je les connais depuis des années et je leur souhaite que du bien. Autant ils battent des équipes qui sont amateurs, voire semi-professionnelles, qui sont signées dans des structures mais sans contrat, signées dans des structures sans contrat. Imaginez un petit peu la situation. Sans salaire, c'est pas des joueurs qui jouent en full time, etc. Alors que chez LDLC, c'est payer plusieurs milliers d'euros par mois. Donc pour le coup, c'est normal qu'il soit, j'ai envie de dire, champion de France. Les seuls concurrents, c'était LDLC et Double Poney, mais ils ne les ont pas affrontés. D'ailleurs, ils se sont affrontés dans une qualif quelques jours après. Et LDLC a perdu contre Double Poney, justement dans cette qualif. C'est pas dit qu'ils peuvent pas gagner en confrontation directe. Hein. Attention, c'est vraiment du très beau jeu que produisent ces deux équipes. Mais pour le coup, voilà, félicitations quand même à LDLC qui est champion de France et qui pour moi n'est pas un exploit, mais un petit peu comme le PSG qui doit gagner le championnat de France toutes les années, même si cette année, bon, c'est un peu compliqué. Mais bon, vous avez compris où est-ce que je voulais en venir. Félicitations à LDLC qui est champion de France. Félicitations à The Dice qui est vice-champion de France, qui eux ont su se débarrasser de Double Poney et c'était pas une mince affaire. La CSPPA fait peau neuve. Voilà, il y a eu une élection, une réélection, une élection de nouveaux, on va dire, joueurs commandants de bord. Je ne sais pas comment dire ça. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la CSPPA, c'est une association de joueurs qui défend les intérêts des joueurs professionnels. Voilà, alors à la base, tu as les organisateurs de tournois, le SL, la DreamHack, machin, Valve, etc., pour faire les majors et tout. Ils viennent, ils mettent à l'amende tous les joueurs. Voilà, ils ne parlent pas, ouais, vous allez venir, faites des interviews, faites ci, faites ça, vous allez dans des hôtels miteux et ce genre de choses. C'est fini depuis des années, ça. Mais il faut comprendre qu'en fait, il y a dû avoir justement cette création d'associations de joueurs et de membres à la base de staff technique de l'e-sport, pour justement défendre les intérêts des joueurs, mettre des conditions, on va dire, professionnalisées pour tout l'ensemble de l'écosystème CSGO. Et donc, il y a des nouveaux membres qui sont affichés, avec notamment Stiko, Chris J, NBK et Apex, les joueurs français. Donc, très belle chose, très bonne chose. Ouais, on met une petite mise à jour là-dessus. Je ne sais pas si ça vous intéresse de ouf, mais c'est au moins pour que vous compreniez ce que représente cette organisation. Ah, du croustillant, du sel, de la haine, comme on aime, avec le retour de Unden chez Heroic. Alors oui, je vais vous le rappeler, Unden quand même, qui est le premier coach à avoir été pris la main dans le sac, en train de tricher. Voilà, donc il est de nouveau le coach d'Heroic. Hein, voilà, je ne sais pas quoi penser. Voilà, je ne sais pas quoi penser. Il a purgé sa peine, voilà, merci, au revoir. Et il revient comme ça, le petit frérot. C'est un génie du jeu quand même. C'est quand même quelqu'un qui est très respecté, qui est très intelligent, qui a quand même une histoire sur CS, beaucoup d'expérience. Il a gagné pas mal de tournois en étant joueur quand il était dans le sub-top danois. Et également, en tant que coach, il fait vraiment bien son travail. Mais quand même, faut pas oublier ce qu'il a fait. Pour le coup, être récupéré quand même dans une structure, dans un club aussi important que ça, je trouve que ça envoie un certain message. Voilà. Vous l'interprétez comme vous voulez. Moi, en tout cas, pas fan. Pas fan. Et tout le monde a droit à une deuxième chance. C'est important. Là, c'est du très, très lourd, les frérots. Du très, très lourd. Le Flashpoint Close Qualifier a vu Double Poney, une équipe française partie de rien, se qualifier au Main Event. Et ils vont affronter Vitality. Qu'est-ce que je suis hypé par ce match. Ça va être exceptionnel. Je reviens un petit peu sur Flashpoint, qui est quand même un tournoi qui appartient donc à Faceit. Qui est une ligue avec beaucoup d'argent et un enjeu aussi marketing, médiatique, d'image très important. C'est un des tournois les plus suivis, c'est un tournoi, j'ai envie de dire, majeur de la scène internationale CSGO. Et pour le coup, Double Poney se sont qualifiés en passant par le qualifier Open. Donc ils ont cravaché de ouf et ils ont réussi à grappiller la dernière place qualificative. Donc félicitations à eux. Et après négociation avec la structure d'origine de NBK OG, NBK peut participer au main event justement contre Vitality. Voilà, c'est Vitality qui va affronter Double Poney. Je suis content parce que c'est une rencontre franco-française. Et attention, j'ai vraiment, mais vraiment, vraiment faim de voir ce match. Il y a vraiment de fortes chances que j'analyse ce match derrière. Pourquoi ? Parce que Vitality a fait le recrutement de Kyojin.
Et je trouve que le recrutement, il y avait mieux à faire. Quand je dis il y avait mieux à faire, on peut voir par exemple les résultats de Double Poney. Et on voit que des joueurs gratuits, des joueurs qui étaient libres justement d'être signés avec plus d'expérience que Kyojin, auraient pu être signés eux aussi. Notamment Body, rôle pour rôle, je trouve que c'est un cran au-dessus. Notamment Lucky, rôle pour rôle, je trouve que c'est au-dessus. Rôle pour rôle en CT, en terreau par contre, ils ont des rôles différents. Mais Lucky remplace à la perfection RPK, qui a exactement le même rôle et même un tempérament, j'ai envie de dire, ultra positif. C'est pas quelqu'un qui pose problème. On a notamment également des petites pépites, comme Joko, qui remplace à la perfection RPK en termes de rôle. Donc ça va être un petit peu cette confrontation indirecte, j'ai envie de dire. C'est pour ça que je vous tease un peu, je vous hype un peu. Ça va être cette confrontation indirecte sur le management, sur le choix des joueurs. Il n'y aura pas non plus d'excuses pour Vitality parce que là, ils vont jouer une équipe qui est en place depuis très peu de temps. Une équipe française où tous les joueurs se connaissent. Une équipe également avec des pépites d'un côté qui n'ont absolument jamais performé dans le tier 1 international, comme Afro, comme Joko. Et de l'autre côté, on a seulement Kyojin qui n'a jamais eu d'expérience en tier 1 international, même si là, ils ont commencé quelques matchs avec Vitality. Ça veut dire que c'est une confrontation directe entre Kyojin et des joueurs qu'il connaît également. Et on va pouvoir voir s'il tient un petit peu la route. Donc, je suis hypé de dingue par ce match pour toutes ces raisons-là. Et surtout aussi parce que une rencontre franco-française, ça donne l'espoir un petit peu à nous tous passionnés de Counter-Strike de voir deux équipes françaises performer. Donc, même si Vitality, par exemple, perdent, ça va donner beaucoup de crédibilité à Double Poney. Ils vont pouvoir être signés dans une énorme structure. Il y a de grosses rumeurs comme quoi il signerait avec Kameto et la KCOR. Alors là, je serais mais excité de dingue si ça arrivait parce que ça donnerait beaucoup de popularité à CSGO. Et donc, c'est un peu tout ça. Voilà, c'est un petit mélange comme ça d'épices, tu vois, avec une belle marmite qui tombe bon, tu vois. Et là, j'attends de voir ce match avec beaucoup de patience. Et je me languis. Voilà, je me languis de ouf. Et bon, bien évidemment, que le meilleur gagne, que ce soit Vitality ou Double Poney, je serai dans tous les cas heureux, mais je veux voir un beau match, je veux voir une belle confrontation, j'aimerais voir un beau trois quarts, tu vois, des matchs serrés avec des beaux clutches, des exploits, de la belle bagarre, et franchement, bon courage à vous tous les gars, faites-nous kiffer. News très intéressante, et on va essayer d'analyser ça, et notamment Illuminar, les Polonais, qui se font kicker tout simplement de l'organisation. Alors, il faut savoir que c'est une équipe qui performe, qui évolue dans le T3. Dans le T3, voilà, avant c'était vraiment du T2. Maintenant, j'ai envie de dire que c'est du T3, du petit T3 même. Et qui underperforme depuis pas mal de temps. Il ne faut pas oublier non plus que certains de ces joueurs-là, notamment Grubby, notamment Morels, sont là depuis des années. Pour certains, ils ont même participé à des majors. Donc, c'est des gens qui ont quand même une certaine popularité. Et donc, très certainement, qui négocient une masse salariale très importante. Et pour une équipe, pour une structure, pour un club comme Illuminar, garder des joueurs qui coûtent cher et qui underperforment, ce n'est pas forcément la bonne solution. Autant prendre des joueurs, entre guillemets, de la main-d'œuvre vraiment pas chers, qui ont du potentiel et qui, justement, vont plus ou moins faire les mêmes résultats avec une masse salariale beaucoup plus basse. Donc, le choix pour moi de dégager ces joueurs-là est très intelligent et surtout, ça envoie encore une fois un message très clair sur le fait que quand on est instable, qu'on underperforme, qu'on n'est pas bien dans un certain cycle, on peut vite être mis à la porte et ça fait peur. Ça fait très très peur, surtout pour une équipe quand même qui est à la base polonaise, qui ne doit pas coûter très cher. Mais je sais que ces joueurs-là réclament quand même plus de salaire que d'autres Polonais qui vont être payés, je vous le dis clairement, entre 400 et 800 dollars par mois. Là, on est quasiment au double, voire au triple de ce que je viens d'annoncer pour certains joueurs, parce que ce n'est pas tous les mêmes salaires. Donc, ces mecs-là sont payés entre 2000 et 3000 dollars par mois, 3500 dollars par mois. Ben là, ça dégage. Voilà. Et vous comprenez aussi pourquoi la France, ça va pas très bien non plus dans le subtop et la scène nationale. Parce qu'on est, des joueurs qui coûtent très cher. Une petite news qui fait très plaisir pour le coup. Ah là, j'espère que vous avez le sourire, les frérots. Hein, j'espère que vous avez le cœur qui bat à 6000, plein d'excitation et d'enthousiasme. Parce que CSGO est le jeu e-sport numéro 1. Yes! Bon, revenons vite sur Terre. Il ne faut pas oublier que l'année 2020 a été très difficile avec le Covid et notamment l'arrêt des tournois, l'annulation d'un maximum de tournois.
même si justement CSGO a perduré. Je pense que c'est un petit peu l'explication du pourquoi on est numéro 1. Quand tu vois Fortnite avec uniquement 8 millions mis sur la table en termes de prize pool, c'est quand même très faible. Pareil pour Dota 2, pareil pour League of Legends, etc. Très certainement dû à l'annulation de beaucoup de tournois. Alors que CSGO, il a quand même continué à perdurer, même s'il n'y a pas eu de major, etc. Il y a tous les organisateurs qui se sont mis en mode requin pour essayer de prendre les parts de marché et être visible tout au long de l'année. C'est d'ailleurs ce que j'ai dit la semaine dernière sur mon actu, justement, en parlant de la répétition des tournois où on ne sait plus où donner de la tête. On ne sait même pas quelle compétition les joueurs jouent. On voit juste Vitality contre Astralis, Vitality contre NiP, Vitality contre machin. Et on regarde comme des teubés. On ne sait pas quel tournoi ils jouent. On ne sait pas pour quel cash ils se battent. Enfin, vous avez compris, quoi. Il n'y a pas de hiérarchie de tournoi. Il n'y a rien du tout. Tout est libre un petit peu sur CSGO. Et donc, le but, c'est de mettre de l'argent sur la table. Venez jouer pour nous. Et puis, c'est bon, quoi. Mais ça fait plaisir quand même. Ça fait plaisir quand même pour les médias, pour le marketing, pour l'image. Dire qu'on est numéro 1 sur une année entière, c'est quand même super sympa. Alors, on va parler déjà du début de cette mise à jour avec la fin de l'opération Broken Fang. Alors déjà, c'était une bonne chose, cette opération. Je pense qu'on est en majorité, voire quasi unanime là-dessus. C'était une très bonne mise à jour et un très bon apport, cette opération Broken Fang, parce qu'il y avait un matchmaking amélioré, etc. Et l'expérience des joueurs me semble, elle me semble quand même bien plus positive que ce qu'on avait avant matchmaking. Moi, je ne fais pas de matchmaking, mais pour le coup, j'ai quand même des centaines de gens à chaque fois qui viennent sur le stream et tout, et qui me disent, franchement, on a eu une bonne expérience avec le Broken Fang. Donc là, elle prend fin. Donc ça veut dire que tous ceux qui ont gagné un petit peu les missions, les étoiles et tout, dépensez-les très vite. Parce que sinon vous allez les perdre, tout simplement. On va passer à la mise à jour encore. Donc il va y avoir 4 maps qui sont ajoutées au mode de jeu Wingman. Je suis très content de ça, pour le coup. Pourquoi ? Parce que le Wingman, pour moi, c'est un mode de jeu extrêmement populaire, qui est beaucoup plus digeste pour les joueurs casus et même non casus. C'est-à-dire que c'est des parties qui durent beaucoup moins longtemps que le compétitif 5v5. C'est beaucoup plus dynamique également. T'as pas forcément les contraintes de chercher des coéquipiers, d'avoir 2, 3, 4 potes à toi, ou alors de tomber sur des inconnus et ça va être toxique et tout. Là, tu te trouves un petit poteau, tu vois, et ça se passe bien. Ou alors, même si tu joues solo, il y a moyen quand même que les circonstances soient plus positives. Tu vois, tu peux parler à un mec, vous êtes en tête à tête, ça se passe plus ou moins bien. Donc, je sais que c'est un jeu très populaire pour ces raisons-là. C'est très dynamique, la map est réduite, c'est des phases de jeu, entre guillemets, on va planter la bombe et on va la défendre, donc sur des surfaces de jeu, comme je disais, réduites. Donc, c'est beaucoup plus dynamique, il y a beaucoup plus de duels, etc. Il y a beaucoup moins de temps de repos, d'analyse, de stratégie, de poser son stuff et tout. Donc, je sais que c'est un mode de jeu très populaire et je trouve que le moyen pour faire découvrir des maps est assez bien réalisé sur ce coup, de rajouter 4 maps dans ce mode de jeu. Donc, je ne les connais pas, je ne fais pas de Wingman moi personnellement, mais je trouve que là-dessus, c'est extrêmement positif et très intelligent de la part de Valve de mettre des maps sur le Wingman, peut-être pour après les mettre en mode 5v5. C'est-à-dire que quand tu te familiarises avec les BP, avec des routines, des positions que tu apprécies jouer en Wingman, derrière, tu peux très facilement les mettre en 5v5 et avoir un petit peu déjà tes repères, même si la map derrière elle va être pour le 5v5 donc beaucoup plus grande et qu'il y a des endroits de la carte que tu ne connais pas, dans lesquels vraiment tu vois tu découvres et tout, t'es perdu. Au final, tu as quand même beaucoup de repères car tu y as joué en Wingman et que tu as apprécié, entre guillemets, découvrir dans un mode de jeu beaucoup plus accessible. Donc les 4 maps en Wingman, moi, je valide. On a désormais également des Chicken version 4K, t'as Steven Spielberg, Hollywood, George Lucas de Star Wars. Ça, c'est assez exceptionnel. J'en ai strictement absolument rien à foutre de ça. Je pense que c'est le cas un peu de tout le monde. S'il y a des gens qui me contredisent, bah big up à vous les frérots. Donc les chicken en 4K, j'en ai rien à faire. Bon, c'est un petit clin d'œil, c'est marrant, c'est devenu un mème. Peut-être que c'est fait aussi pour en parler, entre guillemets. Moi-même, j'en parle. C'est que forcément, Valve, ils ont compris qu'on avait compris qu'ils en avaient rien à foutre et donc ils nous sortent systématiquement une petite mise à jour pour qu'on en parle de manière, on va dire, humoristique. Donc, un point positif là-dessus. On a le mode de jeu qui était le nouveau mode de jeu dans l'opération Broken Fang, le retake, qui continue
d'être accessible. Donc ça, c'est une bonne chose. C'est un peu comme le Wingman, le retake. Ça reste un mode de jeu qui est justement plus dynamique, où les gens vont avoir plus de facilité à jouer, tu vois, entre deux games, etc. Quand tu te lances une game de 5v5, tu sais qu'entre guillemets, tu es emprisonné pendant un certain nombre de minutes. Que ça se passe bien ou que ça se passe pas bien, imaginez quand ça se passe pas bien, tu vois, t'as pas envie de quitter ta game et tout pour pas te faire ban, donc t'es entre guillemets en prison 45 minutes dans une game. Alors que lancer un Wingman, comme je le disais, c'est très populaire parce que c'est beaucoup plus dynamique, beaucoup plus rapide, beaucoup plus digeste. Et pour le mode de jeu retake, je trouve que c'est exactement la même chose. Donc conserver ce mode de jeu, je pense qu'ils ont analysé les statistiques avec l'opération Broken Fang, etc. Et ils ont vu que c'était des modes de jeu qui étaient très apprécié par la communauté et qui sont certainement les modes de jeu les plus joués. Donc moi, je valide à fond le fait de populariser un petit peu CSGO avec des modes de jeu comme ça, plus dynamiques, plus digestes, plus divertissants pour tout le monde. Donc ça, c'est super positif et je valide à fond. Le gros point négatif, mais attention, je vais quand même aller chercher un petit peu d'espoir là-dedans. Les statistiques du mode Broken Fang sont conservées, mais elles deviennent payantes. Voilà, ça coûte 85 centimes d'euros par mois pour avoir accès aux statistiques. Je trouve que c'est une aberration pour le coup. Payer 1 euro par mois, c'est rien du tout, 1 euro par mois. Mais il y a des gens quand même qui ne peuvent pas le faire. Hein. Pensez, nous, on est en France, 1 euro, c'est pas beaucoup. Mais 1 euro dans d'autres pays, ça peut représenter de l'argent. Je pense au Maghreb, je pense à l'Asie, je pense à l'Amérique du Sud, je pense les pays africains, etc., ou les pays de l'Est, ça peut quand même représenter quelque chose. Il ne faut pas le négliger. Pour le coup, je trouve que c'est un peu insultant de faire payer un jeu que tu payes, qui est déjà payant. On ne parle pas de Fortnite qui est gratuit, on ne parle pas de Valorant qui est gratuit, on parle d'un jeu payant. Mettre à disposition des joueurs un système de statistiques qui est payant, je trouve ça quand même un peu insultant. Mais il y a une mise à jour cachée dedans qui dit qu'il va y avoir de meilleures performances. Alors, allez savoir pourquoi. Genre, t'as plus de FPS quand tu payes 1 euro par mois. Ça, je comprends pas. Et une meilleure expérience de jeu. C'est-à-dire, peut-être un meilleur anti-cheat, peut-être une meilleure sélection des gens, hein, peut-être des sanctions pour des gens toxiques, etc. Beaucoup plus facile. Bref, très certainement que ceux qui vont payer, entre guillemets, 1 euro par mois, il va y avoir une sorte d'analyse cachée. Et pour un tri des joueurs soit toxiques, soit cheaters, etc. Donc pour le coup là, je valide très très fort. Je me dis que je valide très très fort parce que c'est ce que j'ai envie d'aller chercher sur du long terme. Peut-être qu'on va faire payer CSGO de manière même plus importante, que le 1 euro par mois devienne peut-être 2, 3 euros, 4 euros, 5 euros par mois, comme il y a sur Faceit, comme il y a sur ESEA, comme il y a très certainement sur d'autres jeux. Moi, je ne suis pas un communiste. Hein, le capitalisme, à la limite, j'aime ça. C'est-à-dire que payer pour des choses que j'apprécie, ça me dérange absolument pas, et bien au contraire. Payer pour avoir une meilleure expérience de jeu, je serai le premier à le faire. Bien évidemment, on aimerait que ces choses-là soient gratuites, mais pour le coup, si on pense que plus tard, ça va être positif pour absolument toute la communauté, de payer, entre guillemets, le mode de jeu 360 et que derrière, tu as une meilleure expérience de jeu, je pense qu'une majorité des gens vont y aller, sauf ceux qui n'ont pas les moyens ou qui ne veulent pas investir dedans, etc. Donc, je trouve que c'est ultra négatif de faire payer quelque chose dans un jeu payant pour avoir juste des statistiques et potentiellement des choses à améliorer. Et derrière, je trouve ça positif dans le sens où s'ils le développent beaucoup plus et qu'ils apportent vraiment des améliorations très intéressantes pour la communauté, là, ça me fait kiffer de ouf et je valide à fond. Voilà, payer des skins parce que tu les aimes, c'est cool. Payer une plateforme qui te met un meilleur anti-cheat, une meilleure expérience de jeu en dégageant, en bannissant les joueurs genre ultra toxiques qui te font péter un câble sur tes games et tout. On le sait que c'est le problème de CSGO. C'est pas forcément que l'anti-cheat, mais c'est également l'expérience de jeu. Lancer un 5v5 aujourd'hui, quand t'es solo, tu tombes avec 4 mecs totalement inconnus, de nationalités différentes, d'âges différents, de cultures différentes, de langages différents. Pour s'entendre, c'est une catastrophe. Donc ça, je valide à fond. On a également des nouveaux skins. Voilà, on a des nouveaux skins. Donc on a un set de gloves entiers. Voilà, on a des nouveaux gants. Avec, j'ai sélectionné deux petites paires de gants que je trouve super sympas. Je vous les mets tous à l'image. Mais moi, j'ai deux petites paires de gants que j'aime beaucoup. Alors, il y a les nouveaux styles Tortue Fade. Donc ça, bon voilà, on le sait, hein, ils vont valoir... ces gants vont valoir très très cher. Et la petite paire jaune un petit peu sans les doigts.
ce petit style un peu sport et tout, j'aime bien. Il y a moyen qu'avec des beaux skins et tout, ça se marie très très bien. Donc pour le coup, ces gants-là, il y a deux petites paires qui sont validées. Les autres, je trouve que ça ressemble beaucoup à des gants qu'on avait déjà, etc. Donc un peu déçu. Voilà, un peu déçu. Et après, je vais parler un petit peu, il y a une nouvelle, bien sûr, caisse de skin avec une M4 assez incroyable. Donc la caisse s'appelle la Snake Bite. D'ailleurs, c'est un sort de Viper sur Valorant. Peut-être un petit clin d'œil, je ne sais pas. Mais on a la M4 Living Color, donc très très jolie. Et l'USP. Voilà, il y a un USP rouge aussi qui s'appelle The Traitor, que je kiffe de ouf. Voilà, on fait défiler les nouveaux skins. Il y a une pseudo nouvelle AK Redline aussi, en plus épurée, sans ligne rouge. Que j'aime bien, mais à voir, tu vois, à voir ce que ça propose. C'est encore une fois du recyclage. Le gros de la mise à jour, les gars, également, parce que là, on en a parlé beaucoup, mais il y a le gros de la mise à jour qui a un changement drastique pour l'univers compétitif de CSGO, mais également de la communauté. On a dégagé désormais la map Train et elle sera remplacée par Ancien, la map Ancien. Alors, ça fait plus de 2 ans qu'on n'a pas eu de changement de map, etc. Il y a du positif et du négatif à ça. C'est-à-dire que moi, j'attendais bien évidemment du renouveau, etc. Il y a des maps qui étaient très populaires à l'époque. Je pense que les nouveaux joueurs ne connaissent même pas, comme Cobblestone, peut-être même Revoir Cash et tout. Mais là, on peut voir qu'il y a clairement un litige, j'ai envie de dire... en sous-marin, dans le staff de chez Valve, avec Volcano qui s'est barré travailler avec Valorant, notamment pour leur faire leur carte. Derrière Cash, on voit qu'elle n'est pas remise dans le mapool. C'est que, à mon avis, hein, c'est que mon avis personnel, à mon avis, ça ne doit pas sentir très bon leur relation. Cobble, qui est une map quand même qui a été levée il y a beaucoup d'années, je pense qu'elle aurait pu être remise au goût du jour, surtout pour être tout simplement découverte. C'est une carte qui, je pense, pour les nouveaux joueurs, parce qu'il faut dire la vérité, CSGO c'est un cycle et il y a des nouveaux joueurs qui ont commencé en 2017, en 2018, en 2019, en 2020, qui ne connaissent absolument pas Cobble, et ça je sais pas pourquoi. On nous met Ancien. Alors moi, Train, c'était une map, c'est une de mes maps préférées, très technique, très sous-estimée je trouve. On a mis du temps à l'apprécier d'ailleurs, elle a eu beaucoup de changements avec le temps, mais il y a quand même Mirage qui est là depuis encore plus longtemps et qui, entre guillemets, je pense aurait mérité un rework avant Train. Mais Mirage est la map la plus jouée, très appréciée par notamment les pays d'Europe de l'Est, Russie, Pologne, etc. Donc à voir si ça joue ou pas. Et Ancien, bah, je valide le renouveau pour le coup. C'est pas une map que j'ai jouée. C'est une map que j'ai regardée pour le coup. Je la trouve trop grande, trop large, trop des longues lignes, etc. Les rotations sont beaucoup, beaucoup, beaucoup trop lentes et tout dessus. Très certainement qu'il va y avoir beaucoup de changements dessus pour la rendre vraiment compétitive et appréciée par tout le monde. Il faut savoir que Vertigo, par exemple, qui est la dernière map mise dans le système compétitif, est une map qui est pas forcément encore appréciée. Elle a beaucoup de lacunes, elle est très déséquilibrée. Le BPA est un enfer, le BPB est un enfer. Le mid est plutôt sympa, par contre, maintenant sur Vertigo. Mais le A et le B sont quand même assez, j'ai envie de dire, déséquilibrés. Et pour le coup, c'est une map qui est sortie il y a déjà des années et elle a subi plusieurs mises à jour suite à, justement, les avis de la communauté et des joueurs compétitifs et du staff compétitif. Donc, ramener une nouvelle carte alors que la carte la plus récente n'est déjà pas aboutie, je trouve que c'est... Voilà, je suis mitigé. Mais le renouveau, je valide à fond. Il faut du renouveau pour CS. Donc, overall, je trouve la mise à jour... je trouve que c'est limite une révolution, pour le coup. Parce qu'on voit qu'il y a un changement peut-être de mentalité côté Valve. Faire payer pour améliorer l'expérience de jeu des gens. Des nouveaux skins, alors que pendant une période, on n'avait vraiment plus beaucoup de skins. Nouvelles cartes et tout. C'est plutôt positif, je trouve. On va passer à Valorant désormais, avec une petite mise à jour très intéressante qui nous ont sorti. Donc c'était la fin de l'acte précédent, et donc le nouvel acte, je crois que c'est l'acte 3, avec l'apparition d'une nouvelle carte. Et c'est Breezy. Alors, la carte est super jolie. Pour le coup, je l'ai jouée une fois. Elle est super jolie, la visibilité est extraordinaire. Mais je suis un peu mitigé. Voilà, je suis un peu mitigé sur la carte, c'est-à-dire que pour moi... c'est une map type CSGO, tu vois. Quand t'as 5 joueurs dans une équipe qui ont 2 flashs chacun, des smokes chacun, des molos chacun, t'as de la possibilité pour
annuler des points très intéressants, très stratégiques de la carte. Tu peux dézoner des endroits entre guillemets dangereux. Tu peux isoler des défenses ou des attaques, peu importe dans quel side on se fixe. Mais voilà, tu as une multitude de stuff à ta disposition parce que la map est très grande. Il y a de très grandes lignes, très profondes et très larges. Et pour le coup, sur Valorant, je trouve que c'est compliqué parce que pas tous les joueurs peuvent se défendre entre guillemets avec du stuff et ça va être vraiment du duel sur du duel sur du duel. Alors, il y en a qui vont dire c'est super parce qu'il va y avoir du spectacle et notamment bah justement du challenge, du 1v1, etc. Mais moi, en fait, ce que je veux vous expliquer, c'est que en mode compétitif, je pense qu'en mode casual, c'est très très bon. C'est une map qui va être très appréciée. Mais en mode compétitif, il faut savoir qu'on veut limiter un maximum les risques de jouer les duels. Quand on joue à haut niveau, on veut mettre le maximum de chances de son côté pour gagner le round. Donc on va baser nos choix sur des choses logiques. Jouer des coins faibles, jouer des personnes faibles, jouer la supériorité numérique, jouer avec des combos d'utilitaires qui vont mettre justement plus de chances de notre côté pour emporter le round. Et jouer les duels à 50-50, ouais j'ai des grosses couilles, viens je te décale middle, c'est moyen. Donc ça c'est pour vous expliquer un petit peu l'état d'esprit avec lequel les professionnels jouent. Et cette carte là, avec notamment les joueurs, les compositions, les agents qu'il y a à notre disposition sur Valorant, Je suis mitigé. Mais pour le spectacle, pour le spectateur, pour les casus aussi qui vont jouer, pour le grand public, entre guillemets, qui est la majorité des gens qui jouent aux jeux vidéo quand même, c'est pas les professionnels qui font les jeux vidéo, faut le savoir. C'est une très très bonne map. Donc, bon choix. Très très bon choix. On passe notamment maintenant avec une énorme collaboration, une collaboration que je trouve ultra intéressante. Donc, on a les VCT qui ont fait une collaboration avec IMLab et notamment une introduction de map customisée qui ressemble à celle de Valorant où on peut s'entraîner sur IMLab. Alors, les gars, calmons-nous. Sur CSGO, ça existe depuis des années. Sur Fortnite, ça existe également. Mais sur CSGO, dans le workshop, etc., tu as des passionnés de la communauté qui créent des maps personnalisées pour justement entraîner les joueurs à faire des décals pré-shot sur des maps qui sont officielles. Et là, IMLab, ils n'ont rien inventé. IMLab n'est pas un mode d'entraînement que j'affectionne parce que, en fait, sur CSGO, on a déjà tout dans le workshop. On n'a pas besoin d'IMLab. Par contre, pour Valorant, il n'y a absolument aucun moyen d'entraînement. Donc, c'est une super nouvelle pour Valorant. Vraiment très, très bonne nouvelle. Peut-être qu'ils vont justement faire des collaborations avec eux sur du très long terme même et les mettre à la disposition du grand public pour avoir justement des modes d'entraînement et un petit peu comme sur le workshop avec les bots, le travail de stuff, le travail d'entry, le travail de décal, le travail de pré-shot, le travail de défense, d'attaque. C'est fabuleux quoi, c'est pour ça que j'adore entre guillemets cette collaboration, c'est-à-dire que c'est une collaboration grand public, d'accord, mais on insère, on introduit le grand public au monde compétitif. Et ça j'adore, voilà, ça j'adore, donc c'est une super 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 nouvelle. On va parler des VCT en Europe désormais, qui ont vu Team Liquid l'emporter à la surprise générale. Il n'y a pas un mec qui aurait misé sur Team Liquid. Faut dire la vérité, ils ont fait du recrutement très agressif dès le début de la bêta, etc. Ils se sont positionnés de ouf avec Scream, etc. notamment. Et ils étaient un petit peu mis en échec. C'était un petit peu la déception, j'ai envie de dire. C'était une disette de qualifications, de titres même, depuis le début des compétitions sur Valorant. Et pour le coup, là, ils ont remporté et d'une belle manière. Ils ont battu notamment la meilleure équipe européenne qui est Fun plus Phoenix. Ils ont battu Fnatic qui eux aussi ont été excellents durant le tournoi. Donc pour le coup, titre mérité, qualification méritée, GG à eux, trop fort. Ils ont gagné de l'argent, ça fait plaisir pour Scream parce que c'est mon frérot, je l'adore. Donc franchement, Adil, félicitations mon frérot. Et surtout, ça montre également que le jeu est encore jeune, que tout le monde a sa place, que celui qui travaille plus peut gagner. Et surtout, l'organisation qui fait des choix plus judicieux, voilà, rien n'est figé. Rien n'est figé. Les professionnels d'aujourd'hui ne seront pas forcément les professionnels qu'on verra dans un an, dans deux ans, dans trois ans.
Et donc, c'est encore une jeune scène et très fragile, très instable, mais instable parce qu'il y a de la possibilité pour tout le monde. Ça, c'est une très, très bonne chose. On part maintenant aux États-Unis, qui a vu le même tournoi et remporté par Sentinel. Et là, pour le coup, ce n'est pas du tout une surprise. Et j'ai regardé chaque match de Sentinel. Ils ont été trop forts. C'est impressionnant à quel point cette équipe domine aux États-Unis. Alors qu'en Europe, c'est beaucoup plus partagé. Il y a un combat qui est quand même beaucoup plus équilibré, je trouve, en Europe. Alors, je ne sais pas si aux États-Unis, c'est Sentinel qui est vraiment au-dessus ou les autres qui sont vraiment en dessous. Je ne sais pas. Ou en Europe, tout le monde est bien en dessous et on va dire c'est des moyens joueurs qui se battent entre eux. Je ne sais pas comment m'exprimer là-dessus. Mais là, pour le coup, Sentinel, ils ont dominé de ouf. Tenz a été très, très fort individuellement. Il a même battu Cloud9, son ancien club. Ça a pas mal fait parler d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Mais c'est un beau champion. Voilà, Sentinel est un beau champion et j'ai hâte de voir une confrontation Europe, NA, très très vite. Voilà, je me languis vraiment. Je me languis vraiment de voir ça. On va parler désormais des classements. Voilà, des classements des équipes comme le top mondial, quoi. Et l'équipe numéro 1 aux États-Unis en tout cas, c'est Sentinel. L'équipe numéro 2, c'est Envy. Undead Thieves, numéro 3. Bon, je ne vais pas continuer la liste jusqu'au bout, mais tout ça pour vous montrer qu'il y a un pool de clubs, il y a un pool de structures qui est assez colossal aux États-Unis. Valorant, c'est vraiment quelque chose là-bas. Valorant devient vraiment de plus en plus gros. On s'en rend compte même en Europe. Mais pour le coup, je suis très content de voir autant de clubs impliqués sur cette scène qui est justement en pleine progression, pleine évolution. Et j'adore, voilà, j'adore voir autant de gros clubs prestigieux comme ça investir dans l'e-sport. Ça me plaît beaucoup. J'aurais aimé voir ça également sur CS, bien évidemment. Mais pour le coup, c'est Valorant et ça fait quand même plaisir. Pour les classements en Europe, la même chose, les gars, parce que là, il y a eu quand même un petit chamboulement. L'équipe numéro 1 reste Fun Plus Phoenix, même si elle a été battue par Team Liquid. C'est pas parce que tu as été battu une fois que tu dois dégringoler, entre guillemets, du classement. Guild Esport, que je trouve excellent, que je trouve vraiment excellent, les Suédois, et notamment, je trouve qu'ils ont la meilleure raise au monde, pour le coup. Avec notamment YZN, qui est un joueur CSGO et qui j'ai joué pas mal d'années, notamment en FPLC. Team Liquid, qui font un petit bond, justement, ils ont pris genre 10 places, je crois, et qui sont désormais 3e. Et derrière, bah voilà, on a Fnatic, Ascend, qui a dégringolé, parce que justement, j'ai l'impression qu'ils ont fait genre leur one-shot, avec leur Jet Syned, qui a été exceptionnel individuellement. Mais pour le coup, on peut voir qu'en Europe, c'est quand même des clubs, des structures un peu moins prestigieuses. Enfin, même pas un peu moins, c'est beaucoup moins prestigieux, même s'il y a quand même des mastodontes. Hein. Fun Plus Phoenix, Guild, Liquid, Gambit, Fnatic, c'est pas des noobs. Mais quand tu entends justement Undead Thieves, FaZe, Cloud9, Envious, etc., c'est quand même des clubs qui, je trouve, ont une plus grande histoire. On va parler à quelque chose qui fâche désormais, ou qui me fâche en tout cas, qui me fait un petit pincement au cœur. Tariq a été kické de chez Evil Geniuses il n'y a pas très longtemps, joueur de CSGO. Et il faut savoir que toutes les équipes américaines sont venues en Europe. Donc Liquid, Evil Geniuses, etc. sont tous venus s'installer en Europe parce qu'en Amérique, aux États-Unis, il n'y a plus du tout de prac, de match officiel, de ligue. Il n'y a plus rien. Enfin, il n'y a plus rien parce qu'il n'y a plus d'équipe, il n'y a plus assez de joueurs. Ils ont tous switché sur Valorant. Et donc Tariq a dit que pour lui, rester en Europe, c'était pas forcément sa priorité. On peut le comprendre, être loin de sa famille, dans un continent qui n'est pas le tien, ça veut dire que culturellement parlant, c'est absolument pas au top, quoi. Il faut dire la vérité, quand t'es tout seul, alors que quand t'es à 5 et tout, c'est quand même un peu plus facile de bouger dans un autre continent ou dans un autre pays. Là, il se retrouve tout seul en Europe, le couze, c'est un peu compliqué pour lui. Et il se dit que retourner aux États-Unis pour jouer sur CSGO, il n'y a aucune possibilité. Voilà, enfin, faut dire la vérité, il ne va pas être recruté par Liquid ni EG. Je crois qu'après, il n'y a plus d'autres clubs, en vrai de vrai. En tout cas, qui serait de son calibre. Et donc, pour lui, ce serait soit streamer, soit switcher sur Valorant. Et il dit, je vais streamer pour le moment. En gros, il se laisse quelques semaines, quelques mois, très certainement, pour jouer en stream sur CSGO et sur Valorant. C'est ce qui va se passer, pour se mettre un petit peu à niveau. Voilà ce qui va se passer. Et dès que le mec aura un niveau très correct individuellement sur Valorant, je pense qu'il fera le switch.
parce que je pense pas qu'il va exploser en termes de stream. Je trouve que la fanbase, la popularité de CSGO baisse en termes de divertissement aux États-Unis, parce que justement tous les gros créateurs, tous les joueurs pros ont switché sur Valorant, que ce soit Shroud, que ce soit Ico, que ce soit des joueurs comme Tenz, notamment même d'autres joueurs de Fortnite, etc., qui mettent en avant Valorant. Donc aller à contre-pied sur CSGO et faire moins de viewers, moins de statistiques que ces gens-là, alors qu'ils pourraient être sur Valorant, il les connaît tous et tout. Je pense que son destin est déjà tracé au garçon. Je pense qu'il est déjà tracé. On a désormais une mauvaise nouvelle, un petit kick de Cutler. Voilà, Cutler ou Rolchuk, je ne sais pas comment vous le prononcez, ou comment vous le dites. Moi, c'est Cutler, parce que c'est son nom de famille et je l'ai toujours connu sous ce pseudo-là, en tout cas quand il était sur CS. Il a été kické de TSM, remplacé par Brax, qui lui était le sixième joueur à la base de cette équipe et qui désormais va rentrer dans le starting roster. Donc pour le coup, mauvaise nouvelle pour lui, il s'est fait bâcher de fou, il s'est fait insulter, menacer, moquer sur les réseaux sociaux et il a été défendu par ses anciens coéquipiers, notamment AZ, notamment Brax, Wardell, etc. L'ont tous défendu sur les réseaux sociaux parce qu'ils ont dit les gars, calmez-vous, il n'est pas mauvais, il n'est pas nul, calmez-vous, respectez-le, c'est un grand de l'e-sport quand même, il a gagné sur CSGO, il a gagné sur Valorant, respectez-le, c'est notre ami avant tout, c'est un choix compétitif, c'est un choix sportif qu'on a fait là. Donc je trouve que c'était un beau geste de leur part, ils ont tweeté en le défendant, c'est extrêmement rare de voir ça, faut dire la vérité. Donc je trouve quand même qu'aux États-Unis, sur leur scène en tout cas américaine, il y a quand même pas mal de bonnes relations, de meilleures relations qu'en Europe. Voilà, je sais pas, c'est l'impression qu'on en a de l'extérieur, mais c'est super, c'est un super move qu'ils ont fait et je les félicite pour ça. C'est la fin de cette actu, voilà, c'est la fin. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, vous le savez, dimanche 18h, c'est l'actu sur YouTube. Abonnez-vous, bientôt les 100 000 et à bientôt.